m'informer. Salut la famille. Là, je viens d'arriver de San Pedro. Je devais arriver demain. Je suis allé changer mon billet. Je suis arrivé, Dieu merci. Je suis venu sur la RTI parce qu'il y avait une émission hommage à mon frère DJ Arafat. Malheureusement, c'est une vérité. Chez moi, c'était un buzz. Mais là, je constate que c'est pas un buzz. Je suis arrivé en retard, l'émission est finie. Sincèrement, condoléances à la famille, à la femme, à la maman, ma maman, maman Tina Clamont, à tous les fans de DJ Arafat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant où je vous parle, moi je trouve vraiment pas les mots, je suis dépassé. Arafat, c'est un guerrier. On a déjà vu faire des accidents et autres, donc je me suis dit bon, ça va passer, mais c'est grave. Sincèrement, pour l'accident de DJ Arafat, j'aimerais interpeller tous les Ivoiriens, tous les artistes, toute la Côte d'Ivoire. Aimons-nous vivants, c'est très important. J'ai dit ça dans mon statut tout à l'heure. Aimons-nous vivants. On n'est pas obligé de tous s'aimer, mais ne nous détestons pas. La responsabilité, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas un responsable. Tout le monde est responsable. Moi-même, Kedjivara, je suis responsable. Les fans, vous êtes responsables. Tout le monde est responsable. Il y a des responsables au premier degré. Il y a des responsables au deuxième degré, au troisième degré. Ce qui est sûr, un responsable, c'est un responsable. Tout le monde est responsable dans cette histoire de DJ Arafat. Il y a 10 ans, on perdait Doug Saga. On a cherché à savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est lui-là, c'est lui-là, c'est lui-là. Ça ne nous a pas servi de leçon. Et aujourd'hui, on vient de perdre un de nos frères, DJ Arafat. Il faut arrêter ces vidéos. Je ne veux même pas avoir une vidéo de quelqu'un qui accuse l'autre. C'est lui-là qui a fait ci, c'est lui-là qui a fait ça. Laissez le monsieur en paix. Nous sommes tous responsables. Il faut que ça nous interpelle afin de changer les mentalités. Moi, j'aime pas Sos Arachide. Ça ne veut pas dire que je dois faire une vidéo, des vidéos de propagande pour que tout le monde déteste la sauce arachide. Je ne dois pas venir dire non, parce que moi, je n'aime pas sauce arachide. Si on prépare sauce arachide quelque part, ne battez pas, ne mangez pas, ne faites pas. Non, 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 non. Si on me propose la sauce arachide, je ne mange pas. Mais ceux qui veulent manger peuvent manger. Mais aujourd'hui, les gens se détestent. On peut ne pas s'aimer, mais on ne doit pas se détester. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas. Mais aujourd'hui, sans faire des vidéos de boycott, ça souhaite la mort. Ça... Il faut changer, peuple ivoirien. On fait ça, ça fait combien d'années? On fait des guerres, on fait des guerres, on fait des palabres, mais on ne change pas. Il faut changer de mentalité. On a déjà perdu Doug Saga dans ces conditions. De palabres, de lui-là fait ci, de celui-là, de ces nanani, nanana, dans ces nanani, nanana. Mais on est dedans encore. Juste qu'on vient de perdre DJ Arafat. Tout le monde est responsable. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas responsable. Kedjivara, je suis responsable. Parce que si j'avais fait une vidéo pour dire à Arafat, ah mon frère, tu as repris la moto, je ne suis pas content. Peut-être quand je t'appelle, je te dis, peut-être ça ne te dit rien. Mais si il fait une vidéo, il y a des témoins, tu ne vas plus rouler. Je me suis dit non, oh, il a l'habitude de faire des accidents, non, il n'y a rien, il ne va rien avoir, c'est Arafat. Et le pire est arrivé. Donc moi-même, je suis responsable. Vous les fans des artistes coupés, décalés. Quand un artiste est calme dans son coin, il est bien, non, tu chantes bien, mais tu es trop calme, il faut faire ci, il faut faire cela. Et Arafat, il faisait plaisir à ses fans parce qu'il aimait beaucoup la musique. Tout ce que vous demandez, il fait. Quand il prend la moto, il cabre, vous êtes content, vous encouragez, vous criez, ouais. Et aujourd'hui, le pire est arrivé, chacun pleure, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est pas lui, c'est pas lui-là, c'est nous tous. Tout le monde est fautif. Le monsieur était calme dans son coin, il a fait sortir son album. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, on t'a pas connu comme ça. Il faut rentrer dans la clash comme avant. Faut... Même j'ai vu un poste où quelqu'un disait, mais Arafat, il faut pas être calme, il faut faire bruit, comme on t'a connu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Aujourd'hui, le pire est arrivé. Non, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est lui-là. C'est tout le
monde. Ivoiriens, changeons de mentalité. Apprenons à nous aimer. Même si nous ne nous aimons pas là, ne nous détestons pas. Moi, j'ai eu des discours avec Serge Benoît. Serge Benoît a fait un restaurant. Je ne suis jamais allé dire, ouais, son poulet est brûlé, son poulet est ceci, son poulet est cela. Au contraire, j'ai pris ma voiture, je suis allé manger dans son restaurant. Et puis, je suis parti à la maison parce que je ne le déteste pas. Je peux ne pas l'aimer, mais je ne dois pas le détester. Pareil, j'ai dit MC One, c'est vrai que tu es en clash à un groupe de rap, mais ne les déteste pas. Tu peux ne pas les aimer, mais ne les déteste pas. Même si on dit ils ont tapé pour toi, ils ont fait ceci, je ne veux pas voir une de tes publications où tu as partagé affiche de ceci, de cela, de une partie vide. Non, 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 non. On peut ne pas s'aimer, mais ne nous détestons pas. Parce qu'à force de nous détester, on est en train de perdre tous nos talents. On se fait de la sorcellerie. Tout le monde est responsable, les sponsors aussi sont responsables parce que vous ne soutenez pas la culture. Aujourd'hui, le gars, il veut faire sa tournée. Il est obligé de prendre lui-même son propre argent, ses propres moyens, faire tout. Et vous, les fans qui devez faire 100 000, 200 000 personnes, vous l'encouragez sur le net, vous êtes couché à la maison, vous ne venez pas. Et moi, je connais Arafat, je sais que lui, quand il ne se sent pas bien, il noie sa peine dans la moto. Moi, quand je ne me sens pas bien, ma peine, je peux noyer ça dans l'alcool ou dormir. Mais lui, il noie sa peine dans la moto ou dans la musique. Mais si vous étiez parti dans tous ces moments, c'était bien. Il allait continuer de vous montrer ses voitures comme il vous montre tout le temps. Voici ma nouvelle voiture, j'ai payé grâce à vous. Donc tout le monde est responsable. Ce qui est arrivé à Rafat, c'est tout le monde qui est responsable. Je ne vais pas être long dans cette vidéo, mais je vais dire à sa maison de disques, Universal Afrique. Arafat, tout le monde savait qu'il avait des sons au studio. Essayez de récupérer ses sons. Appelez les meilleurs arrangeurs. Que ce soit Baby, Champi, Kilo, Cannavaro, tout ce qui est meilleur arrangeur, même en France, faites-nous chanter sur ces sons et faites sortir l'album à titre posthume, album hommage à Arafat Forever. Les histoires de on va organiser son concert, il va gueuler, c'est plus le moment. Parce que même s'il faisait, vous n'allez pas partir, vous n'allez pas le soutenir, vous n'allez rien faire, ça l'aide pour tout. Donc il est décédé, laissez ça. On va prier pour le repos de son âme, on va bien gérer. Mais faites sortir son album. Parce que les titres, là, on voyait, ils faisaient, ils préparaient des bombes. Faites sortir, chaque Ivoirien doit avoir au moins 10 CD. Et cet argent-là, ne prenez pas pour aller donner à un tel, un cousin, une cousine. Achetez des maisons, des biens pour tous ces enfants. Les Rafna, les tantantants, tout le monde, les Maël, des maisons pour eux. Là, quand ils vont grandir, ils vont dire, notre papa, il était le leader du coupé décalé. Mais voici ce qu'il nous a laissé avant de partir. On ne veut pas que vous donniez à telle ou telle personne. Et après, l'enfant grandit, les parents ont tout bouffé, c'est entré ici, l'enfant se retourne dans la rue, et on le pointe du doigt, on se moque de lui, toi, ton papa faisait ci, ton papa faisait ça. Non, 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 non. Aujourd'hui, notre frère, il est décédé. On ne veut pas voir une vidéo. Moi, je ne veux pas voir une vidéo de c'est lui-là qui a fait, c'est lui-là qui a fait, c'est lui-là qui a fait. Nous sommes tous responsables du décès de DJ Arafat. Que ce soit au premier degré, au deuxième degré, au dixième degré, au vingtième degré, un degré, c'est un degré. Et Ivoirien, apprenons à nous aimer. Apprenons à nous aimer. Ne nous aimons pas mort. Parce qu'on ne s'aime pas du tout. On est divisé à tous les niveaux. Dans la politique, dans la musique, dans le sport, dans la vie, dans les sociétés. Je peux ne pas t'aimer, mais tu fais quelque chose, je vais, mais je ne critique pas. Je ne mets pas que oh, son restaurant, c'est un pourri truc. C'est comme ça, c'est comme je ne partage pas. Non. Tu fais ta vie, je fais ta vie. Ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas, mais je ne te boycotte pas. Mais ici, en plus de ne pas s'aimer, on se boycotte, on s'insulte, on souhaite la mort de l'autre, on se réjouit. Et quand le mal arrive, ensemble, nous tous en pleurs, on se rapproche. Une semaine, deux semaines, un mois après, les mêmes conneries reprennent. Voici Doug Saga, il est mort, ça ne nous a pas servi de leçon. Aujourd'hui, à cause de ces sales comportements, on vient de perdre un être cher, DJ Arafat. La faute aux fans, la faute aux artistes, la faute aux vieux pères, aux parrains, la faute à la famille de DJ Arafat, la faute aux amis, la faute à tout le monde. C'était mon petit mot ce qui concerne l'affaire de DJ Arafat. En tout cas, j'ai mal au cœur. Parce que moi aussi, si j'avais fait une vidéo comme je fais là, pour DJ Arafat, tu as commencé à rouler la moto, tu n'as plus 18 ans. Aujourd'hui, à Rafna, il y a ceci, il y a tant, tant, tant. Il faut arrêter, peut-être ça allait l'interpeller. Mais je me suis assis, je me suis dit, ah, c'est Arafat, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il fait des accidents toujours, ça se passe bien. Et aujourd'hui, le pire est arrivé, donc tout le monde est fautif. Ivoirien, apprenons à nous aimer, que ce soit
dans tous les domaines, dans la musique, dans la politique, dans le sport, dans les bureaux, dans l'administration. Apprenons à nous aimer parce que notre pays, là, ça va de mal en pire. En plus de ne pas s'aimer, on se déteste même. Ça, c'est encore plus grave. Je ne vais pas être long. Merci beaucoup. Faites tourner la vidéo au maximum afin que ça puisse entrer dans l'oreille de tout le monde. Apprenons à nous aimer vivants. Même si on ne s'aime pas, ne nous détestons pas. Merci beaucoup. Et surtout les fans, n'encouragez pas des choses qui vont souvent aller au drame. Moi, je suis là souvent, il garde ma voiture, on me dit, dérape, faut faire freestyle, faut faire tant. Lui, il vous écoute parce qu'il est prêt pour vous. Et aujourd'hui, le pire est arrivé, vous pleurez. Tout le monde pleure, ça endeuille tout le monde. Changeons de mentalité. Merci beaucoup.